Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le deuxième texte, retranscrire, mettre en valeur et partager des textes de femmes via les communs numériques avec Clara et Phil de l'association Le Deuxième Texte. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la nouvelle chronique de Laurent et Laurette Costi sur le thème Aube matulinale sur les plaines de l'autre pays du minage. Et aussi la chronique de Luc sur le thème On connaît la musique. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 24 septembre 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Élise. Bonjour Élise. Bonjour tout le monde et bonne émission. Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels et services, des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. Laurent Costi est administrateur de l'April et fait cette chronique avec sa fille Laurette. C'est la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre » de Laurent et Laurette Costi. Le thème d'aujourd'hui porte sur Aube matutinale sur les plaines de l'autre pays du minage. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours, je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après. Laurette, je te préviens, je reviens en forme après cet été. Et aussi avec plein de blagues que j'ai eu le temps de peaufiner et qui remplissent ma besace. Waouh, mais ça sent la poêle à plein nez! Tu pouvais pas bronzer tranquillement sur la plage comme tout le monde, sérieux? Écoute celle-là. De tous les dés utiles pour une partie de jeu de rôle sur le logiciel libre, bon, j'ai rajouté sur le logiciel libre à jeu de rôle pour être dans le thème de l'émission, de tous les dés utiles pour une partie de jeu de rôle sur le logiciel libre, disais-je donc avant de m'interrompre, lequel, selon toi, est mon préféré? Attends, genre, il faut que je trouve parmi les dés à 4 faces, les dés à 6 faces, les dés 8, les dés 12, le dé 20 et le dé 100, celui que tu préfères, c'est ça? Exactement. Et que tu justifies ce choix, sinon tu n'auras que la moitié des points. Bah écoute, c'est facile, hein. C'est le D6, je pense, parce que 6 faces, donc 6 facettes, donc 42. Ouais. Comme d'habitude, j'ai dû être un peu trop fier de ma blague, et quand je l'ai trouvée, je l'ai partagée et repartagée généreusement à mon entourage. Oh non, mais t'es jamais lourd, t'inquiète pas, puis j'avais deviné toute seule, oh, t'en fais pas. Ah bah tu me rassures, je sais que de toute façon tu me le dirais si c'était le cas. Mm-hmm. Bon, sinon, comment s'est finie ton alternance et comment s'est bien passée cette transition vers un numérique plus cohérent avec les valeurs de l'association? Bah écoute, comme tu l'avais suggéré, on a demandé l'ouverture d'un Framaspace auprès de Framasoft parce que notre objet et notre taille correspondaient aux critères qu'on retrouve sur la page du projet, je cite, « espace réservé exclusivement aux associations et collectifs militants ». Bon déjà cool, c'est tout nous ça. Et ensuite, les espaces Framaspace sont limités à 50 comptes et un espace de 40 gigas maximum. Et c'était parfaitement cohérent avec notre besoin, du coup. Wow, ils sont vraiment forts chez Framasoft. Tu sais que je connais des gens bien là-bas. Waouh, trop important alors, waouh, mais bravo. Ouais, je sais, merci. Bon, et comment les membres se sont appropriés ce merveilleux outil? Bah écoute, d'abord, et c'est primordial, la gouvernance, et en particulier mon directeur, pour pas le citer, était convaincu et volontaire. Sans ça, je pense pas qu'on serait allé bien loin. Alors là, je dis carrément. Et je vais même appuyer mon propos. Figure-toi que dans les formations en cybersécurité et en particulier pour les plans de prévention à mettre en place, eh bien même si, comme souvent ça paraît une évidence, l'implication de la gouvernance dans le processus est un incontournable et que c'est même une chose inscrite dans les normes. L'énorme révélation que voilà. Enfin bref, si on devait ne retenir qu'une chose de toutes les chroniques qu'on a faites ensemble, à part bien sûr tes excellentes galéjades et tes excellents calembours, c'est que, comme pour la cybersécurité, il est primordial d'éclairer et d'associer les gouvernances dans le processus de transition. Tout à fait.
C'est déjà là faire un grand pas en avant. Et je précise qu'on n'était pas au bord du gouffre. Ensuite, il faut ancrer la démarche par les décisions de la gouvernance. Et prendre le temps nécessaire d'accompagner au changement pour réussir à se passer d'outils auxquels les membres sont tous habitués et qui leur paraissent plus simples à cause justement de leurs habitudes acquises. Toutes ces petites étapes plantent des graines qui vont pousser tranquillement et essaimer au fil du temps pour nourrir la terre fertile du monde associatif dont les valeurs convergent pour beaucoup avec celles des idéaux libristes qui ne demandent qu'à être repris de l'aube matutinale au crépuscule rougeoyant. Anne Masseran, ne vois-tu rien venir ? Aube matutinale, mais c'est pas un pléonasme ? Et aussi la convergence de valeurs, ça marche aussi la nuit, non ? Puis je savais même pas que t'avais une sœur qui s'appelait Anne. Le lyrisme peut s'autoriser ce genre d'écart à la réalité d'abord. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Et ma sœur Anne te tire la langue. Bon, changeons de sujet pendant que je cherche la définition de matutinale. Savais-tu que cet été, outre le Massif Central et les Vosges, j'ai visité un pays extraordinaire, lointain, paisible et voxel. J'explique pour les personnes qui nous écoutent, hein, matutinale qui appartient au matin. Une aube qui appartient au matin, donc. Ah non, c'est voxel qu'il faut que j'explique. Bah écoutez, voxel, c'est une contraction de volume et pixel. Ou pixel est lui-même une contraction de picture et élément. Comme dirait Wikipédia, le voxel est à la 3D, ce que le pixel est à la 2D. Bref, tu t'es baladé dans Minetest, l'alternative libre à Minecraft, quoi, c'est tout. Équipé d'une hache et d'une pioche, j'ai dépensé de l'énergie pour couper des arbres, creuser des tunnels et construire toutes sortes de choses dans le monde merveilleux d'Amelai in Minerland. Je précise que l'énergie dépensée, c'était surtout l'électricité qui alimentait ton serveur allumé pour l'occasion et que ça a eu peu de répercussions sur ta forme physique. Oui, mais si je voulais, je pourrais utiliser l'argument massu des joueurs de Pokémon Go qui marchent dehors pour les attraper. Ben oui, désormais, on peut importer des cartes IGN dans le jeu et retrouver le tracé du monde réel. Imagine que je mette un panneau dans le jeu sur lequel serait écrit « À cet endroit, dans la réalité, tu trouveras derrière une pierre matutinale, une pierre qui appartient au matin donc, tes bonbons préférés. » Et là, bim, sans doute, aurais-je envie d'aller voir. Mais comme tu apprécies moyen les bonbons que tu m'auras demandé d'aller cacher pour toi parce que, bah, flemme, tu iras plutôt jusqu'au frigo pour réchauffer de la pizza. En parlant de pizza, il m'en reste un bout sous le clavier. Elle est froide, mais je peux partager. Tu la bébises là pour pallier le bavier de rappel. Attends, je recale le clavier, tu disais ? Tu l'avais mise là, la pizza, pour caler le clavier et éviter qu'il bouge quand tu tapes. C'est réparé. Et tu sais qu'on peut fabriquer des pizzas dans Minetest, justement ? Bon, il faut que je te parle du monde d'Amelai in Minerland. Pour commencer en multijoueur dans Minetest, c'est l'idéal. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout ce type de jeu d'ailleurs, peut-être que le plus simple est d'installer le mode tutoriel et jouer en solo d'abord. Bon moyen en effet, et ça me permet de préciser que Minetest en tant que tel est d'abord un moteur de jeu plutôt qu'un jeu en bonne et due forme. Si vous n'installez pas un mode, vous risquez d'errer longtemps dans les plaines crénelées de cubes et de mourir non pas de faim ou de suite d'agression de bêtes sauvages, mais tout simplement d'ennui. Et dans le monde d'Amelai in Minerland, accessible en serveur public, des modes sont déjà installés, c'est bien ça ? Exactement. Tu arrives dans un monde préparé où de nombreuses choses magnifiques sont déjà construites et où beaucoup de capacités te sont données pour faire tes propres créations. Mais surtout, tu es accueilli et accompagné si tu le souhaites. Ah oui, j'imagine que ça change tout par rapport à des jeux où, quand t'arrives, l'objectif semble être pour les joueurs et les joueuses plus aguerris, déjà dans le jeu, de fraguer le plus vite possible les personnes qui arrivent en guise de baptême, non ? Oui, dans le monde d'Amelai in Minerland, c'est finalement extrêmement courant de jouer plus de 5 secondes sans mourir. Bon, c'est assez agréable en vrai. Bon, bien sûr, ça ne m'empêche pas de courir trop vite parfois et de me cogner si fort que je décède. Mais je suis devenu expert dans la recherche des os de mon cadavre sur la carte gigantesque de 20 000 cubes sur 20 000 cubes sur 20 000 cubes. 20 000 os cubes donc. Ah oui, d'accord. Donc pendant que d'autres construisent et travaillent, tu baguenaudes. Ça ne te ressemble pas, dis donc. C'est vrai que mon frère Sylvain, qui préfère rester anonyme, a construit une bien plus belle maison que moi. Il a aussi, entre autres, dans le jeu, hein, pas dans la vraie vie, une collection de roches, une éolienne, des moutons, une poule et un portail vers le Nether. Et c'est rien comparé à d'autres joueurs et joueuses qui ont fabriqué des trains, des 4L, des avions, des centrales nucléaires et des maisons qui s'apparentent à des palais. Waouh ! Et puis si on peut même apprivoiser un chat dans le jeu, c'est effectivement assez irrésistible. Donc, on installe le moteur de jeu et sur l'interface d'accueil, on va dans l'onglet « Rejoindre une partie ». Et on cherche « Amelai in Minerland ».
On se met un petit pseudo et un petit mot de passe pour la première fois et puis zou, c'est parti pour 42 heures de jeu ou plus d'y affinité. La classe, ce tutoriel vidéo retranscrit en direct à la radio. Et d'ailleurs, on cause de tout ça dans l'excellente émission Libre à vous du 10 septembre 2024. On vous mettra le lien. Il y avait Tuxayo et Amelai qui étaient invités justement. Et on peut les écouter raconter leur histoire et leurs expériences de jeu. Je vais de ce pas télécharger l'émission, ça m'aidera à préparer cette chronique. Je te laisse, bise cubique et voxélique et rendez-vous dans le Nether. Bise, je file à la recherche dans le jeu, hein, du coup pas dans la réalité, d'un papapotame cubique. Et ne nous mettez pas des pouces bleus. Oui, c'est vrai qu'on vous l'a jamais dit, mais vous savez qu'on en a rien à carrer des pouces bleus. Enfin, mettez-nous plutôt un genou vert ou même un gnou vert tant qu'à faire, ou mieux encore un petit mail sensible et sincère écrit à la main de votre clavier à toute l'équipe sur bonjour@libreavous.org. Ça, ce sera lu par des humains et ça fait vraiment plaisir. Merci. Donc, nous venons d'écouter la chronique de Laurent et Laurette Costi, dont le thème portait sur Aube matutinale sur les plaines de l'autre pays du minage. Dans cette chronique, il a été question de Mindtest. Si vous voulez découvrir Mindtest, ou en tout cas en savoir plus, vous pouvez écouter l'émission Libre à vous qui était consacrée à ce sujet il y a quelques semaines sur libreavous.org/217. Alors, nous allons donc faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la rediffusion d'un sujet consacré à l'association Le Deuxième Texte, qui retranscrit, qui met en valeur et partage des textes de femmes via les communs numériques. En attendant, nous allons écouter Sometimes par Jazzar. On se retrouve dans une minute. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1. Sometimes par Jazzar. Vous aurez peut-être reconnu le thème. En effet, un court extrait de cette musique constitue le jingle qu'on passe en fin d'émission, dans chaque émission Libre à vous, juste avant les annonces. Ça nous faisait plaisir d'écouter cette musique en entier pour une fois. Le titre est disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavous.org. Libre à vous, libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'association Le Deuxième Texte. Retranscrire, mettre en valeur et partager les textes de femmes via les communs numériques. C'est une rediffusion du sujet principal de l'émission Libre à vous du 9 juillet 2024. Ce sujet a été animé par Laurent Costi, vice-président de l'April, qu'on vient d'entendre dans la chronique précédente. Nos invités étaient Clara et Phil de l'association Le Deuxième Texte. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le deuxième texte. Retranscrire, mettre en valeur et partager les textes de femmes via les communs numériques. Ce sujet est animé par Laurent Costi, vice-président de l'April, avec nos invités Clara Verdier et Phil. Laurent, je te passe la parole. Merci. La corbeille. Choisis-moi dans les joncs tressés de ta corbeille une poire d'automne ayant un goût d'abeille, et dont le flanc doré, creusé jusqu'à moitié, offre une voûte blanche et d'un grain régulier. Choisis-moi le raisin qu'une poussière voile et qui semble un insecte enroulé dans sa toile. Garde-toi d'oublier le cassis desséché, la pêche qui balance un velours ébréché, et cette prune bleue allongeant sous l'ombrage, son œil d'âne troublé par la brume de l'âge. Jette, si tu m'en crois, ses ramures de buis et ses feuilles de choux,
mais laisse sur tes fruits, s'entrecroiser, la mauve et les pieds d'alouette, qu'un liseron retient dans son fil de clochette. C'était un poème intitulé « La corbeille » tiré du recueil « Tandis que la terre tourne » de Cécile Sauvage, édité en 1910 au Mercure de France. Voilà, c'est toujours passionnant de préparer une émission, parce qu'on découvre plein d'univers qu'on soupçonne pas, et on va découvrir tout ça avec l'association Le Deuxième Texte aujourd'hui. Donc on accueille, comme l'a dit Frédéric, Phil et Clara, qui vont se présenter respectivement. Clara ? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Clara, et ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis au Deuxième Texte. Pour ma part, je suis arrivée, donc pas tout à fait au début de l'association, mais à un atelier, en fait, un peu comme ça. Je cherchais à m'engager pour la cause féministe au départ. J'étais déjà convaincue, mais je savais pas exactement comment m'impliquer. Et c'était juste après la sortie du livre, je sais pas si vous en avez entendu parler, Le génie lesbien d'Alice Coffin, donc qui incite notamment à remplir sa librairie, enfin sa bibliothèque de femmes, en fait, d'écrits de femmes, parce qu'on en lit finalement très peu au cours de notre vie. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de m'engager dans cette association, qui justement met à disposition de tous des textes voilà, en libre accès de femmes pour essayer de changer un peu nos représentations. Oui, oh, l'association fait pas que ça, on va en parler pendant 45 minutes à peu près. Phil ? Bonjour, donc moi je m'appelle Phil, je suis dans l'association depuis sa création. Et en fait j'y suis resté parce que bah, d'abord l'équipe elle était chouette et c'est quand même quelque chose de plutôt motivant. Que j'étais assez convaincu par l'importance du bénévolat et des communs numériques, des communs en général et des communs numériques en particulier. Et puis que le contexte autour de l'égalité femmes-hommes et du besoin de plus de diversité me touchait. En particulier, on est parti sur un projet qui était de rendre plus accessibles les textes de femmes, indépendamment du milieu dont on venait, des milieux, des revenus qu'on avait, etc. Et du coup, en particulier, de participer plutôt à l'éducation en France. Pour permettre d'avoir de nouveaux repères, y compris dès l'enfance. Et donc moi j'avais une formation en informatique, ça m'avait aussi poussé vers les communs numériques, à la recherche publique qui elle aussi m'a poussé vers les communs numériques. Merci Phil. Alors du coup il va falloir nous expliquer un petit peu ce qu'est le Deuxième Texte, l'association Le Deuxième Texte, pourquoi c'est né, comment c'est né. Qui c'est qui veut commencer, Clara ou Phil? Eh bien Phil est un des fondateurs de l'association, donc peut-être qu'il peut nous raconter l'histoire. On lui laisse l'histoire, merci Clara. Eh bien en mars 2017, on a un hackathon de 3 jours qui a été organisé à la fois par le ministère de l'égalité femmes-hommes. Alors un hackathon peut-être, oui t'allais peut-être expliquer, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Donc c'était une organisation sur 3 jours avec plein de gens qui se regroupent et qui ont envie de pousser dans un objectif commun de travailler. Alors travailler, ça vient initialement les hackathons de tout ce qui est informatique. Mais là, ça avait été dans l'objectif de travailler à améliorer l'égalité femmes-hommes autour des communs numériques, des données en particulier. Et donc, on avait Laurence Rossignol, qui était la ministre de l'égalité femmes-hommes, et Etalab, qui est une structure d'État qui permet de faciliter le service public par l'usage des données. Et donc, ils ont organisé dans un contexte qui était vachement agréable. Pour vous donner une idée et pour faciliter la participation, on avait, pour les jeunes parents, une garderie qui permettait d'initier les jeunes enfants au développement, ou à la programmation, mais d'une manière un peu ludique, c'était pas Scratch, ça pouvait être beaucoup plus tôt. Et donc Scratch, c'est un langage d'initiation au développement. Oui, avec des briques tout colorées. Exactement, tout ça. Ouais, tout à fait. Quelque chose qui facilite. Et donc ouais, on avait un cadre qui était vraiment agréable, bienveillant. On avait des coachs qui venaient pour nous aider, et c'était extrêmement agréable. Le contexte était enrichissant. Bref, c'était super, super chouette. Et donc suite à ça, on a travaillé pendant 3 jours. On a pu produire une maquette parce qu'on avait la chance d'avoir des gens qui avaient des compétences vraiment complémentaires, à la fois dans le numérique, dans la communication, dans la recherche et l'utilisation des données, dans tout ce qui est aussi animation de communauté. Et donc on a remporté un prix. Et suite à ce prix, on s'est dit c'est vraiment trop dommage de s'arrêter. On va essayer de continuer, donc on a créé une association pour pouvoir prolonger cet engagement. D'accord. Et vous vous connaissiez avant les personnes qui ont créé l'association, ou finalement c'est cette rencontre, ce hackathon en mars 2017 qui a fait que vous avez après poursuivi ensemble sans vous connaître en amont? Alors on avait un noyau dur, on avait 3 personnes qui se connaissaient auparavant,
et on a d'autres personnes qui sont venues sur place, qui nous ont rejoints et qui ont permis de compléter les compétences de l'équipe de manière assez intéressante, parce que forcément il y a un biais dans les compétences qu'on avait puisqu'on se connaissait et on venait plus ou moins du même milieu. En fait, on venait initialement d'une association qui s'appelait FEU, la Confédération des Jeunes Chercheurs, qui était une association qui s'intéressait aux jeunes chercheurs, étonnamment. Étonnamment. Donc, 6 mois après ce hackathon, en 2017, création de l'association, Clara, du coup, alors quel nom a été choisi pour cette association et pourquoi ce nom ? Alors, le nom qui a été gardé, en tout cas aujourd'hui, c'est le deuxième texte. Ça fait référence au deuxième sexe, le livre de Simone de Beauvoir, qui a été écrit il y a maintenant quelques temps quand même. Au tout départ, ça s'appelait Georges, le deuxième texte, et c'est le lien qui a été gardé pour notre site web d'ailleurs. Et Georges faisait référence donc à ce nom qu'employaient beaucoup de femmes autrices pour pouvoir être publiées, en fait, tout simplement à l'époque. Donc on pense surtout à Georges Sand, qui est la plus connue d'entre elles. D'accord, donc effectivement dans les nombreux liens auxquels on fait référence sur la page de l'émission, vous verrez apparaître le mot Georges et du coup maintenant vous avez l'explication de pourquoi on retrouve ce prénom. Voilà. Alors du coup au fil du temps se consolide l'objet de l'association. Je sais pas, on peut peut-être préciser un peu l'objet de l'association, les différents buts. Oui, bien sûr. Donc, il y avait un premier but qui était plus orienté vers les enseignants, les universitaires, tous ceux qui enseignent à un moment ou à un autre. Il s'agissait en fait de trouver tout simplement des alternatives pour les manuels scolaires, pour en fait avoir des autrices à étudier en cours essentiellement. Donc, on a notamment créé un portail qui permet de se documenter à ce sujet-là. On a essayé également de pousser vers la création en fait de chiffres, puisqu'il existe très peu de chiffres en fait pour parler des autrices. On ne sait pas exactement quelle est la proportion d'auteurs ou d'autrices aujourd'hui dans les différents genres littéraires, etc. Donc on a essayé également de mettre en lumière tout ça pour poser le constat, pour voir comment on pouvait changer ça aussi. Oui, c'est ça. Essayer d'abord de faire un constat, de voir combien d'auteurs étaient étudiés, d'autrices étaient étudiées, et justement de mettre en évidence ce chiffre-là. Et déjà mettre en évidence ce chiffre-là était une forme de démonstration finalement. D'accord, très bien. Ça venait aussi d'un constat. En fait, il y avait une pétition qui est sortie en 2017. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais il y avait 20 000 signatures pour dénoncer l'absence d'autrices en fait au bac littéraire. Donc c'était mené par une enseignante qui s'appelle Françoise Cahen au Val-de-Marne, et effectivement c'était ça qui nous avait beaucoup impacté, et c'est pour ça en fait qu'il y avait aussi des personnes qui s'étaient mobilisées pour ce hackathon. C'est un peu dans cet ordre-là que les choses se sont faites en fait. Très bien. Et du coup, l'usage du mot autrice, il est un peu émergé aussi à ce moment-là. Ça allait avec un peu le processus ou pas du tout? Je sais plus exactement quand est-ce que ça a réémergé, le mot autrice. En tout cas, c'est un mot dont on n'a pas l'habitude de l'usage aujourd'hui. On a tendance à dire auteur ou auteureux, et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé par l'Académie française encore aujourd'hui. Et effectivement, ça correspond à une période, donc en 2017, où il y avait Eliane Viennot, il y avait aussi Aurore Evin, qui est pas mal médiatisée, qui justement avait ressorti des vieux textes pour montrer qu'en fait, autrice, c'est un mot qui a toujours existé en français. Et ça permet justement de marquer davantage le féminin, pas dire toujours auteur comme si c'était le générique. Voilà. On a décidé de manière un peu militante, d'une certaine manière, de réutiliser le mot autrice, qui maintenant est d'ailleurs accepté dans le langage aussi d'aujourd'hui, en 2024. D'accord, pour essayer d'être le plus inclusif possible dans l'écriture, et puis effectivement, et éviter d'oublier un peu la deuxième partie de l'humanité, quoi. Très bien, est-ce que Phil, tu as des choses à compléter par rapport à cet objet? Alors bah du coup on va rentrer dans le concret, dans le dur finalement. Que fait l'association au quotidien finalement depuis sa création maintenant, et quelles sont les grandes actions et puis les choses dont vous pouvez être fier, et le cumul aussi de ces actions là dans le temps, le retour maintenant, vous pouvez commencer à avoir aussi un retour par rapport à ce que vous avez lancé il y a maintenant 6-7 ans maintenant, c'est ça? Donc voilà, on vous écoute. Alors il y a un blog, si j'ai bien compris, où vous concentrez pas mal d'informations. Vas-y, oui, Phil. Tout à fait. En fait, on a commencé par faire un blog en même temps en fait que ce portail, pour essayer de trouver des autrices. On a fait un blog où on a recensé toutes les informations qu'on trouvait dans notre état des lieux.
Donc on a commencé par rassembler des informations sur quelles sont les autrices qui sont disponibles sur le site de la Bibliothèque nationale de France, par exemple, ou dans Wikidata, qui est un site qui est associé à Wikipédia, en fait, qui permet de faire base de données derrière, en fait, et de recenser tous les chiffres, les dates de naissance, etc., etc. Et donc, on a commencé à publier ces statistiques, entre autres avec les statistiques institutionnelles. Combien on avait de textes au niveau des manuels scolaires, combien on avait de textes de femmes, combien on avait d'autrices qui étaient étudiées dans les textes des concours, des diplômes, etc. Et puis, du coup, on s'est attaqué aussi à des choses plus légères, mais qui montrent aussi le sexisme dans la société. C'était la présence des femmes dans les biopics, donc les films qui sont inspirés par des femmes de lettres, entre autres. On s'est intéressé aux portraits dans les musées. On a fait même des statistiques des papillotes réveillons et des citations qui étaient présentes à l'intérieur. Où on s'était rendu compte qu'il y avait moins de 1,1% d'autrices sur les 600 chocolats qu'on a mangés en 2019. Et ben, en 2023, suite à notre interpellation ou pas, mais en tout cas, Réveillon a évolué puisqu'on était à 51,6% d'autrices. Pour que les gens comprennent bien, dans les chocolats, il y a des citations, c'est ça? Exactement. Voilà. Et dans ces citations, il y en avait eu 2 sur 100 qui étaient des citations de femmes. Ah oui, ok, je comprends beaucoup. Il y en avait 7 sur 600. 7, ah, 7 sur 600. C'est pas beaucoup. Il a fait manger beaucoup de chocolat. D'accord, vous faites des statistiques sur les chocolats. D'accord, et du coup, ça a évolué. Vous avez fait une interpellation derrière, après, à l'entreprise directement. Vous avez fait un courrier? Alors, pas un courrier, on les a interpellés sur les réseaux sociaux. D'accord, bien sûr, c'est les moyens modernes. Excusez-moi, je suis un peu... Aucun souci. Un peu old school. On les a interpellés, et puis on leur a dit, dites, il y a un souci là-dessus. De la même manière qu'on a interpellé, c'était Google, en leur disant, dites, autrice, il nous dit que c'est erroné, il y a un problème. Donc on a interpellé des autrice, gens. Alors excuse-moi, autrice c'est erroné, c'est-à-dire on avait sur des gens qui utilisaient Google. Ouais. Eh bien on avait le mot pardon autrice ouais. Était souligné de rouge en disant il y a une erreur. D'accord, ok, très bien. Donc on a essayé d'interpeller des éléments qui participaient au monde en masse, on va dire. Donc c'est-à-dire des sites très utilisés. Mmh. Des produits très utilisés et puis aussi ceux qu'on avait sous la main, et donc d'où le réveillon. On aime bien manger des chocolats à Noël. Très très bien. Donc effectivement, une des premières étapes finalement, c'est d'essayer d'y voir clair, quoi, d'essayer d'identifier effectivement quelle est la réalité, se baser sur des chiffres, des statistiques, et ça rejoint après la question peut-être des données ouvertes. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, effectivement. Alors, par exemple, quand on fait la démarche de produire des statistiques, on essaye toujours d'être transparent sur cette démarche-là. Le fait qu'on utilise Wikidata, c'est pas quelque chose de sombre, c'est pas une boîte noire, voilà, d'informaticien, n'importe qui peut l'utiliser. Et en fait, dans nos billets de blog, on propose la démarche à suivre. Parfois, on propose des vidéos à suivre aussi. Donc n'importe qui peut reproduire ça chez soi dans n'importe quel domaine de la société. D'accord, vous donnez la recette avec laquelle vous êtes arrivé à produire la statistique, en fait. Voilà, comme ça les gens peuvent critiquer, recalculer éventuellement s'il y a des erreurs, etc. Puisque personne, enfin tout le monde peut faire des erreurs, donc ok. Donc on a la recette et on est capable de reproduire le calcul si on le souhaite, ok. Merci. Tu veux enchaîner, Phil, ou... Peut-être pour compléter, effectivement, les données qu'on va utiliser, celles qu'on utilise seront en général des données ouvertes pour qu'on puisse les réexploiter, les réutiliser, et que les personnes qui sont intéressées puissent faire de même. Et on va essayer d'éviter d'utiliser des données qu'on nous a données sous le manteau. Et de la même manière, quand nous, on va produire des données, comme le nombre de textes de femmes qui ont été étudiés dans un concours, on va en faire un dépôt, une archive ouverte, quelque chose qui va être accessible à tout le monde et qui peut être réexploité, y compris par la recherche, par exemple. Donc, c'est une matière première qui est ouverte, réutilisable et qui va pouvoir être derrière. Et vous redéposez ça où, alors, du coup? Alors, on va avoir, entre autres, on va avoir un dépôt sur data.gouv.fr, qui est en fait sur un site de l'État, un endroit qui est dédié à pouvoir rendre accessible, on va dire, des données ouvertes.
autres. Mais on va aussi avoir des données sur Wikidata, sur Wikisource, on en reparlera un petit peu plus tard. Très bien, ok. Alors du coup, je me permets une petite aparté. C'est vrai que la question des données ouvertes, de l'open data, de data.gouv montre que l'État se questionne par rapport à ça. Donc c'est plutôt intéressant. Ça fait plusieurs années que l'État se pose des questions et essaye de contribuer un peu à cette ouverture des données. Moi je fais aussi référence à un texte de Christophe Mazuti qui a été référencé dans la dernière revue de presse de l'April, hein, où, voilà, il y a une tendance à se dire c'est important les communs et les data. Et il faut aussi faire attention à ne pas assécher les communs numériques, ce qu'écrit un peu Christophe Mazuti, quoi. Il y a une volonté de l'État de contribuer, mais parfois c'est un peu maladroit parce que ça vient assécher, ça oublie tout ce qu'il y a derrière les gens qui contribuent, et ça oublie de nourrir aussi tout l'écosystème initial. Bon, je vous renverrai, j'essaierai de penser à mettre ça. Je l'ai pas encore mis dans la page de l'émission, mais ce texte-là est intéressant parce que justement ça apporte un regard un peu objectif sur comment l'État approche la question de l'open data. Ils ont bien compris que c'était important et parfois ils sont un peu maladroits sur l'approche. C'était une petite parenthèse, excusez-moi, mais du coup, quand j'avais lu votre préparation d'émission, je me suis dit que c'était intéressant de faire ce lien avec le texte que Christophe Mazuti, quelqu'un de Framasoft, enfin une personne de Framasoft, avait produit récemment. On a parlé du blog que le deuxième texte a produit. C'est finalement la première action qui a permis de communiquer un peu sur toutes les actions qui étaient mises en œuvre. Est-ce que sur le blog vous avez encore des choses à dire, ou est-ce que vous voulez évoquer peut-être les actions suivantes? On peut peut-être enchaîner effectivement, puisqu'on n'a pas seulement un blog, on a aussi un moteur de recherche donc qui aide à trouver des autrices. Comme on l'a dit, on a essayé de faire des stats et après on a voulu les rendre accessibles, notamment sur les manuels scolaires. Par exemple, il faut savoir qu'au brevet, il y a actuellement, enfin jusqu'en 2017, il y avait 22% de femmes enseignées pour 88% d'hommes. Et plus on monte dans les classes supérieures, plus ce chiffre diminue, ce qui n'est pas forcément intuitif, puisqu'on tombe par exemple au bac à 9%. Donc une personne sur 10 seulement. Et pour l'agrégation, c'est à peu près pareil, 8% de femmes enseignées. L'idée, c'était d'avoir un moteur de recherche intuitif, facile à utiliser, où on puisse trouver une alternative aux auteurs qui étaient proposés dans les manuels scolaires ou par rapport à une thématique scolaire. C'était plutôt quelque chose qu'on mettait au regard toujours par rapport avec un homme. Et c'est quelque chose qu'on a fait évoluer par la suite, puisqu'on voulait que les femmes ne soient pas toujours reliées à des hommes, en fait, qu'elles puissent aussi exister en tant qu'autrices, en fait, à part entière, qui ont parfois leur propre moment. Sans dire c'est la femme d'un tel, c'est ça, hein. C'est systématiquement l'associé au travail d'un homme, c'est ça. Pour les surréalistes, on va toujours parler d'André Breton et on va jamais parler des femmes autour, donc c'est bien aussi parfois de dire qu'elles ne sont pas là que par rapport... aux hommes qui existent déjà dans le mouvement. Donc on a décidé de faire quelque chose plutôt par rapport à qui est contemporain de qui. Et donc c'est comme ça que fonctionne le moteur de recherche aujourd'hui. Et donc une fois que vous arrivez ensuite sur cette page, on vous propose du contenu pédagogique associé pour vous aider à enrichir vos cours, puisque malheureusement c'est aussi difficile de trouver des informations parfois sur le sujet. Donc ça peut renvoyer vers divers sites. Donc on parlait de la BNF tout à l'heure, ou de Wikidata. C'est principalement ça. Alors, j'ai été voir le moteur de recherche d'autrice, et finalement l'exemple qui est donné avant qu'on ne puisse saisir quelque chose, c'est Pierre de Ronsard qui est mentionné. C'est volontaire? Sinon je t'embête là. Historiquement, non tout à fait, mais comme le disait Clara, historiquement on est parti sur des figures d'alter ego. Donc on s'est dit, je suis prof de français, j'ai l'habitude d'étudier Ronsard, j'ai l'habitude d'étudier Verlaine, j'ai l'habitude de... etc. Et du coup, je voudrais trouver des alternatives. Pas forcément parce que je suis convaincu, mais ça peut être tout bêtement parce que j'en ai marre d'utiliser les mêmes auteurs. Et donc, l'idée, c'était de proposer par défaut, effectivement, on a commencé par un auteur qui semblait beaucoup étudié, et on s'est dit, qui est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? À l'époque, en fait, les programmes ont évolué, hein, mais il y avait des notions qui souvent étaient liées aux mêmes époques. Enfin, typiquement, on avait pendant le siècle des Lumières des notions qui ont été beaucoup étudiées par les auteurs et les autrices de l'époque. Et donc, on s'est dit on va essayer de trouver des personnes qui vivaient à la même époque.
d'où le terme d'alter ego. Mais en fait, l'idée, c'est pas forcément la femme d'eux, ça peut être tout bêtement, eh bien, on aimerait avoir Olympe de Gouges, par exemple, quand on parle de liberté. Connu, choc, mais efficace. Ok, donc c'est moi qui n'avais pas compris la logique du moteur de recherche. En fait, tout simplement, c'est pas une erreur du deuxième texte, de l'association du deuxième texte. Vas-y, je t'en prie, Fred, tu voulais intervenir? Non, je vais juste relayer la question et la réponse donc de Clara, parce que Marie-Odile, donc sur le salon web, hein, vous pouvez nous rejoindre sur causecommune.fm, bouton de chat et salon libre. Vous demandez en fait la formation de Clara. Donc Clara a répondu sur le salon, donc je vais lui demander de répondre aussi à la radio. Oui, c'est bien en direct. Oui, du coup, j'ai fait comme formation un master de sociologie en fait et de statistiques, donc d'où le goût pour les statistiques. Ah oui, effectivement, c'était important de préciser. Ça y est, je comprends mieux là. Je fais encore des statistiques dans mon métier aujourd'hui et pour la sociologie, c'est peut-être ça qui m'a aussi beaucoup sensibilisée aux thématiques d'égalité de genre ou ce genre de choses. Très bien, merci. Cette pression était importante. Par rapport au moteur de recherche, est-ce que il y a encore des choses à éclairer? Moi, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que du coup, voilà, on produit des chiffres, on donne quelque chose, un outil utile à tous pour rechercher donc des autrices. Et après, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre ces autrices visibles, en fait. Et donc pour ça, on a créé un concours, en fait. C'est ça la troisième grosse activité de notre association en fait. Donc c'est un défi qui s'appelle Je la lis pour faire lire des autrices et leur donner de la visibilité. C'est centré sur les autrices uniquement d'expression française et le but c'est de leur donner de la visibilité de manière créative. Il y a des gens qui créent des podcasts à ce sujet. Donc là il y a Libre à vous mais ça pourrait être d'autres podcasts. On avait eu un podcast sur les femmes de la commune par exemple fait par des collégiens et collégiennes. On a des gens qui vont également créer des interviews fictives, par exemple, ou qui vont créer un compte Instagram pour parler des influenceuses d'antan. Donc c'est toujours assez intéressant l'imagination de chacun. C'est un concours auquel on peut participer seul ou en groupe, et on a un an pour essayer de parler d'une autrice de son choix, qu'elle soit du XXe siècle ou beaucoup plus ancienne. Puisqu'on a des autrices comme Marie de France, qui date plutôt de la période médiévale. La seule condition aussi, c'est que l'autrice doit être décédée depuis plus de 70 ans, puisqu'il faut qu'elle soit dans le domaine public. Très bien, d'accord. Et le niveau scolaire, du coup, à qui ça s'adresse? À quel nombre d'élèves? Est-ce qu'on peut faire en petit groupe, en grand groupe? Eh bien, on peut faire ça seul ou en groupe. On n'a pas mis de limite de personnes pour la taille des groupes. Donc, c'est vraiment à la discrétion de chacun. Et ensuite, ça s'adresse à tout le monde, en fait, pas forcément que les scolaires. Je crois que les plus jeunes qu'on a eus, c'était des primaires. Sinon, c'est pas mal des collégiens et des licences qu'on a eues. Mais en soi, même les gens qui ne sont plus dans un cursus universitaire peuvent participer. C'est vraiment ouvert à tous et à toutes. D'accord, et on gagne combien? 40 000 euros, j'imagine. Eh ben, on gagne quand même. On gagne de beaux livres. Tout à fait. On gagne des livres déjà, mais aussi de beaux livres, évidemment, écrits par des femmes. On va avoir un dictionnaire des autrices, par exemple. On va avoir et donc ces gains, enfin ces cadeaux, sont offerts à la classe, par exemple, ou à l'individu, à la personne qui gagne. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que pour cette édition, on laisse pas les gens sauter à l'eau tout seuls. On va aussi essayer de les former au commun numérique. Et donc, typiquement, ce qu'on propose, sans aucune obligation, c'est de pouvoir leur faire découvrir des outils. Ça peut être UMAP ou OpenStreetMap, ça peut être les Framapad, ça peut être Wikipédia, l'encyclopédie bien connue, mais aussi Wikisource, dont on va reparler tout à l'heure, Wikidata. Donc pas mal d'outils comme ça qui sont en ligne souvent, et éventuellement, et des outils libres, mais aussi des licences qui sont associées. On pourra en reparler un petit peu tout à l'heure. On parle beaucoup aussi dans l'économie numérique des licences Creative Commons, qui sont donc des licences plutôt qui permettent de redistribuer plus facilement les données, les réexploiter, donc des licences libres en particulier. Donc on entendra souvent parler des licences Creative Commons avec attribution et partage dans les mêmes conditions. Très bien, merci pour cet éclairage. Tu as parlé de UMAP et puis de OpenStreetMap. J'ai rêvé ou dans la préparation de l'émission ou en fait vous localisez aussi les autrices, hein, c'est ça? J'ai bien vu qu'il y avait une carte. Du coup, peut-être que vous pouvez éclairer aussi cet aspect-là. Eh bien, en fait, dans Je la lis,
on a une carte qui permet d'identifier les autrices et tous les lieux en France qui sont associés à ces autrices. C'est-à-dire qu'on peut avoir les lieux de naissance, les lieux de décès, des lieux où elles ont vécu éventuellement. Et l'idée, c'est pour choisir son autrice, si on n'a absolument aucune idée ou que éventuellement on veut laisser faire le hasard, eh ben, on va pouvoir sélectionner quelqu'un qui est proche de chez nous. Oui, effet de bord intéressant, on peut se dire, tiens, dans ma ville, on a une nouvelle rue qu'on veut renommer ou qu'on veut nommer, et ben on peut taper dans ce moteur aussi. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Vous avez déjà eu des retours un peu justement de ces usages-là quand tu dis c'est une hypothèse ou ça s'est déjà produit? Alors en fait, on a eu différentes applications qui ont été faites et on a un de nos collègues, Philippe Gambette, qui est l'un des fondateurs de l'association, qui est chercheur et qui a travaillé entre autres dans un projet de recherche sur les communs numériques et pour essayer de faire mieux connaître. Et donc mieux connaître les autrices. Et entre autres, il y a eu des applications comme des balades virtuelles pour découvrir des déambulations, on va dire, pour découvrir les autrices à certains endroits. Il y a des personnes qui se sont intéressées à ce moteur de recherche pour effectivement essayer de savoir où sont, enfin, quelles étaient les autrices dans tel ou tel coin. On s'est déplacé éventuellement dans certains endroits pour essayer de découvrir ensemble qu'est-ce qu'on avait dans les archives, qu'est-ce qu'on pouvait essayer de trouver. Et par contre, on n'a pas, pour répondre à ta question directement, on n'a pas eu d'exploitation de, je sais pas, la base d'adresse nationale pour essayer d'identifier à tel endroit. On a pas d'autrice, on a etc. Ce qu'on peut faire par contre, et qui a déjà été fait entre autres par Philippe, c'était essayer d'identifier le pourcentage de, on va dire, de mobilier urbain ou de rues qui sont dédiées à des femmes, à des hommes, ou éventuellement parfois on va trouver des rues genre Pierre et Marie Curie qui sont associées aux noms. Mmh, et sans surprise malheureusement, on se rend compte qu'il y a très peu de rues qui sont associées à des femmes, souvent des petites rues. Des petites places. D'accord. Vous avez déjà fait des stats sur ça? C'est en cours. Je crois qu'il y a une chercheuse géographe qui travaille là-dessus. Il me semble effectivement qu'on avait eu des stats, mais je ne saurais pas vous les dire de tête. Là. Non, bien sûr. Après, il y a un autre biais aussi dans les noms de rue. C'est parfois même quand la rue porte un nom de femme, il n'y a que le nom de famille qui apparaît. Donc on ne sait pas que c'est une femme. D'accord, ok. Donc tout ça, c'est en créant ces cartes-là et en vous posant ces questions autour de ce sujet-là que vous êtes aperçu de ça, en fait. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cet éclairage. Je vais repasser la parole à Fred parce que il va nous introduire la pause musicale, je crois, entre autres. Et en parlant de licence Creative Commons, la plupart de nos pauses musicales sont sous licence Creative Commons ou licence Art Libre aussi, qui est une licence d'origine française. Donc, le choix d'Isabella, nous allons écouter Spleen et Sénégal par le chaos entre deux chaînes. Ce chouette titre a été déniché par Vincent Calin, dont on entendra la chronique tout à l'heure. Donc merci à lui, on se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1.
Et Sénégal par le chaos entre deux chaises, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Une présentation de ce groupe est disponible sur le site auboutdufil.com. Alice y raconte notamment la genèse du groupe qui a eu lieu pendant le confinement et les raisons qui ont amené le fondateur du groupe à placer la musique sous licence libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Alors nous allons poursuivre notre discussion animée par Laurent Costi avec Clara et Phil de l'association Le Deuxième Texte, sujet consacré donc à la transcription, la mise en valeur et le partage de textes de femmes via les communs numériques. Je vous laisse la parole. Merci Fred. Alors on a commencé à regarder les actions que le deuxième texte met en œuvre. Ils nous ont expliqué tout ce qu'il y avait sur le blog du deuxième texte qui a commencé dès le début de l'association en 2017. On a évoqué le moteur de recherche qui permet de trouver des autrices, de nouvelles autrices. On a évoqué le défi Je la lis qui permet finalement un groupe de jeunes en milieu scolaire ou un jeune seul ou une classe de mettre en évidence à sa manière une autrice. Et vous souhaitiez aussi nous parler des ateliers Wikisource. Qui c'est qui, Clara? Je te laisse la parole. Juste pour le défi Je la lis, c'est pas ouvert seulement aux scolaires, c'est aussi n'importe qui veut participer dans cette pièce peut y participer. Donc la prochaine édition commence en septembre. Ouvert à toutes et à tous. Voilà, tout à fait. le quatrième pôle peut-être de notre association, c'est les ateliers Wikisource. Donc depuis maintenant un mois, on a d'ailleurs un vice-président spécialisé dans les wikis, Wikipédia, Wikisource, Wikidata, etc. Donc l'idée, c'est de se réunir une fois par mois pour essayer de, à notre tour, enrichir la littérature en remettant des textes de femmes en ligne, accessibles gratuitement et à tous. Et accessible facilement, puisqu'on sait que Wikipédia, en général, est le premier lien qui sort dans un moteur de recherche. Mais c'est aussi le cas de Wikisource qui ressort énormément. Donc Wikisource, c'est la bibliothèque libre, effectivement, de Wikipédia. Ça a été créé 2 ans après l'encyclopédie, fin 2023. Et donc, comme tous les wikis, il y a donc des déclinaisons par langue. Nous, on va travailler essentiellement sur la francophone. Donc pas seulement celle française, mais francophone, je dis bien. Puisque l'idée, c'est aussi d'être inclusif par rapport aux autres nationalités et toutes les langues françaises qui existent à travers le monde. Puisqu'on n'a pas la même langue au Québec ou en Afrique. Voilà. Donc ces ateliers qui ont lieu une fois par mois, ça consiste donc à apprendre à maîtriser l'outil Wikisource. Donc on a une photo d'un livre, on va utiliser l'ossérisation, donc c'est la reconnaissance de texte par ordinateur en fait. Et à partir de là, l'humain va relire le texte pour voir si tout est bien mis en forme, si l'orthographe est respectée, puisque ça dépend souvent de la qualité de l'image en entrée. Et une fois qu'on a tout relu, le texte est accessible à tout le monde. Voilà. Et par rapport à cette reconnaissance de caractère, bon, moi j'en ai fait de manière très très amateur sur des tout petits textes avec des logiciels libres. Vous utilisez quoi comme type de logiciel? Vous avez réussi à en trouver des performants côté libre? Comment ça fonctionne? Ou on reste pour l'instant sur des outils éprouvés et privateurs? Alors en fait... Ah, je crois que tu n'as pas de micro. Ouais, en fait, il y a une OCR, c'est-à-dire une reconnaissance de caractère, qui est disponible directement à l'intérieur de Wikisource. On a un petit bouton pour ça. D'accord. Qui permet de choisir. Et donc, dedans, on peut, alors nous, on a déjà fait des tests avec Tesseract, typiquement. Mm-hmm. Mais Tesseract qui est donc un outil libre. Libre, tout à fait. Mais on peut aussi faire appel à des outils comme celui de Google. Vous n'êtes pas sans savoir que sans doute, dans les transcription, on va beaucoup dépendre de l'apprentissage des polices de caractère. Or, on travaille avec des livres qui parfois datent et sont très vieux. Et malheureusement pour ça,
eh ben, le logiciel de transcription et de reconnaissance de caractère est important, mais on a aussi besoin de données libres, on retombe dessus, pour pouvoir apprendre les polices de caractère, et malheureusement, on n'a pas suffisamment parfois pour ce genre de vieux livres, en fait. Le texte en introduction datait de 1910, vous êtes remonté jusqu'à des textes de quelle année en... Alors moi j'ai travaillé, je sais, sur des textes du 17e, mais je suis pas allée chercher forcément plus en avant. Ouais, bah 17e déjà ça devient, ne serait-ce que par rapport au langage, j'imagine que c'est quand même beaucoup plus compliqué à appréhender. Oui, on est obligé souvent de vérifier l'orthographe des mots, puisqu'à l'époque le français était un peu plus mouvant qu'aujourd'hui avec l'Académie française, donc qui est apparue avec Richelieu. Et donc on avait plusieurs orthographes qui étaient tolérées en fait. D'accord. Donc souvent on est obligé d'utiliser, alors comment s'appelle ce site ? Le CNRTL, là, je pense. Le CNRTL, c'est ça. Donc vous tapez votre mot et on vous propose les différentes orthographes qui ont existé à travers les siècles. Et ce qu'elle signifie. Peut-être pour décrire, parce que c'est un acronyme assez abscon, on a, en fait, c'est un dictionnaire qui est abondé par, je crois bien que c'est le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir décrire à partir de plein de dictionnaires qui ont existé ou qui existent. D'accord. Des dictionnaires de référence, de pouvoir décrire les différentes orthographes qui ont existé. Les différents orthographes, les différents sens, j'imagine aussi. Aussi, ouais. Évidemment. Ouais. Et parfois, on tombe sur des termes lors d'une transcription où on va se dire il y a une erreur. Et donc, dans ce cas-là, dans la transcription, non seulement on essaye que ça ait du sens, mais on va aussi faire la mise en page. Et donc, on peut être capable de dire ben, on va faire la mise en page dans une écriture lisible aujourd'hui ou on garde l'écriture de l'époque. Ce qui permet éventuellement pour des chercheuses et des chercheurs de pouvoir faire l'étude à l'époque et l'étude aujourd'hui. Et donc, dans ces cas-là, ça va être extrêmement utile de pouvoir, comme disait Clara... En général, ce qu'on essaye de faire, c'est de garder l'orthographe d'époque, mais par contre de moderniser la mise en forme. Donc par exemple, on avait tendance peut-être à l'époque à plus coller les points d'exclamation aux mots à la fin des phrases, comme ça se fait un peu en anglais aujourd'hui. De toute façon, Fred n'aime pas du tout les points d'exclamation. Donc, Non, c'est Robert De Niro qui n'aime pas ça. On mettra la référence dans la page de l'émission pour que les gens comprennent. Pardon. Donc là, on va remettre de force un espace dans ces cas-là. Et aussi, par contre, si on tombe sur une orthographe, par exemple le mot enfant, si vous tombez sur des textes du 17e, justement, vous n'avez pas le T à la fin, donc n'essayez pas de le rajouter. voilà. Et par contre, on peut effectivement corriger les textes, parce que les vieux textes sont parfois... Enfin, c'était pas le même type d'édition. Parfois, il y avait peut-être moins de relecture. Donc on retrouve des vraies fautes, par contre, dans les éditions. Et dans ce cas-là, on a des petites balises pour dire « Voilà, on a corrigé. Voilà ce qu'il y avait dans le texte initialement. Et voilà ce que nous, on vous met actuellement. » D'accord. Oui, c'est un travail de recherche qui est passionnant, effectivement, de pouvoir comparer... Respect, ouais. Effectivement, et ça doit, j'imagine, prendre quand même pas mal de temps. Est-ce que vous avez un peu, vous faites des stats, donc vous savez combien de temps vous avez besoin pour traduire une page du XVIIe siècle ou plus de temps que pour celle d'une vingtième, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça dépend après aussi de la mise en page. Quand vous avez des petites pages avec, je sais pas, 20 lignes à relire ou des textes très denses sur des grandes pages, là, il faut forcément un peu plus de temps. Et vous avez déjà traduit des textes manuscrits qui étaient manuscrits au départ ou là, c'est compliqué ça. C'est plus rare. Je sais qu'on a une personne dans l'association qui actuellement s'intéresse aux procès de sorcières qui sont essentiellement manuscrits. Ah oui. Donc disons que c'est le projet un peu de savoir comment elle va les relire. Mais ça arrive ponctuellement par contre d'avoir des petites parties manuscrites sur des textes quand vous avez une dédicace en début de livre par exemple, ou des petits commentaires. Et là effectivement on peut choisir un peu la typo pour essayer d'imiter le côté manuscrit. Et en général, on essaye de les retranscrire, mais c'est pas, on se retrouve pas à faire vraiment ça sur des très vieux textes, puisque on fait pas de paléographie. Vous savez, c'est cet art de lire tout ce qui est les vieilles écritures, par exemple médiévales. Donc là, souvent, vous avez des lettres vraiment très stylisées. On a l'impression que c'est un M ou un P, alors que ça n'a rien à voir. Donc ça, non, on fait pas. On fait quand même des textes un poil plus récent, on va dire. Oui, de la paléo, tu appelles ça comment? La paléographie. La paléographie, oui. J'avais assisté à une conférence sur le arrobase. C'est pareil, l'histoire de l'arrobase, elle est juste incroyable. Et c'est de la paléographie. En général, si vous tombez sur un arrobase, c'est un E.
Et il y avait une question commerciale aussi qui venait des États-Unis. Enfin, c'était extrêmement intéressant. Je vais relayer juste une question d'Étienne sur le salon web. S'il y a eu plusieurs éditions et rééditions dans le temps, on imagine qu'il peut y avoir des différences. Vous choisissez laquelle dans ce cas ? Quelle édition ? C'est une très bonne question. C'est un choix. Étienne pose de très bonnes questions. C'est pour ça qu'on l'a mis à la régie. Ça fait partie des choix éditoriaux, en fait. Ça fait partie des choix éditoriaux et du coup, selon la qualité de l'œuvre, il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer en compte. Ça peut être la qualité de l'œuvre, ça peut être le contenu de l'œuvre. Si on sait que telle édition est plus complète, corrigée, ça peut être l'intérêt historique aussi. Flora Tristan, l'une des premières femmes à avoir finalement dit prolétaire de tout pays, unissez-vous. Elle l'a pas dit dans ces termes, mais l'a dit avant Karl Marx et Engels. Eh bien, on peut dans ce cas-là choisir le texte historique, le premier. Parce qu'il a une valeur historique. On peut avoir un texte dans une qualité qui est décevante, et dans ce cas-là, on sait que la reconnaissance de caractère va être particulièrement compliquée. On va plutôt se faciliter la vie en prenant autre chose. Parfois, les sources sont aussi compliquées à obtenir. Et dans ce cas-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut aller dans une bibliothèque ou les archives départementales pour essayer de trouver des textes qu'on n'a pas trouvés ailleurs. Comme dans les vieux films, quoi. Vous allez dans les bibliothèques, quoi. Ouais. Respect. Hein. Donc on a fait de l'informatique avec la poussière. Ouais. La classe. Informatique et poussière, ça n'a jamais été très bon, mais bon. Donc on a parlé de Wikisource. Je vois les mots Wikimedia, Wikipédia, Wikidata, Wikiquote. Est-ce qu'il y a des choses à expliciter un peu autour de tout ça ? Peut-être une question, parce que le mot wiki revient très souvent. Mais je suis pas sûr que vous ayez expliqué ce qu'est un wiki, en fait. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est qu'un wiki pour montrer que finalement c'est quelque chose de relativement entre guillemets simple, Clara? Oui. Alors les gens en général connaissent plutôt Wikipédia, qui je pense est effectivement le plus médiatisé. Le principe de wiki, c'est d'avoir un espace collaboratif où on peut publier à plusieurs. Ça implique aussi d'avoir un chat, enfin pas forcément un chat, mais un espace de discussion pour discuter de sur quoi on travaille ensemble et d'avoir un historique pour suivre les modifications qui ont été faites. Effectivement, Wikipédia, le plus connu, c'est une encyclopédie collaborative qui fonctionne comme ça. Wikisource, c'est une bibliothèque collaborative où on relie à plusieurs des livres pour les mettre accessibles voilà, sur la bibliothèque. On a donc aussi Wikidata, qui est une base de données collaborative. On la connaît plutôt par Wikipédia. Si vous voyez les encadrés en haut à droite des pages avec une image pour une personnalité, par exemple, c'est ce qu'on appelle les infobox. Et là, c'est directement tiré de Wikidata, la base de données, en fait. C'est avec ça qu'on va faire nos statistiques en particulier. Et on a encore d'autres choses. On a donc Wikiquote, par exemple. Donc, c'est de l'anglais pour les citations. Donc, quand on trouve des citations d'autrices qui ont été réutilisées, qui justifient d'une certaine notoriété, on va pouvoir là aussi mettre des citations en ligne qui pourront être réutilisées à leur tour. Ah, j'ai une petite question. Tu viens de prononcer le mot notoriété. Je vais pas venir sur le sujet auquel pense Phil exactement, mais en fait, comment est défini le terme notoriété dans ce cas-là, en fait, des femmes autrices? En fait, comment c'est défini notoriété? Alors, est-ce qu'il y a une définition, quelque chose? Alors, je pense que tu évoques plutôt la notoriété au sein de Wikipédia, parce que... Oui, au sein de Wikipédia, oui. Tout à fait. Juste peut-être un aparté sur Wikisource. Donc Wikisource, ça date de 2003, c'est vraiment ancien. Et du coup, on n'a pas forcément les mêmes règles qui s'appliquent sur chacun des projets frères. Donc Wikiquote, Wikidata, Wikipédia, Wikisource, c'est pas forcément les mêmes règles. En fait, c'est en général pas les mêmes règles. Et typiquement, si demain, sur Wikisource, on a un texte très intéressant, on n'a pas besoin de s'intéresser à la notoriété de la personne. Ok. Il faut que ce soit libre de droit. Pour revenir aux notions de notoriété, donc là, on fait référence à Wikipédia, il y a toute une galaxie de règles qui sont parfois pas super claires. Pour la notoriété, en fait, il s'agirait peut-être même de notabilité, mais en gros, il s'agit d'avoir une présomption que la personne est suffisamment connue pour pouvoir mériter sa page Wikipédia. Et pour ça, on va essayer d'avoir des critères qui peuvent être généraux. Dans ce cas-là, ça va être des sources, ce qu'on appelle une source, ça va être un journal qui est... Dans ce cas-là, on va essayer d'avoir une source d'envergure nationale, typiquement un journal comme Le Monde ou Le Figaro. Fiable, donc une source qui est crédible, qui n'est pas connue pour faire des fake news ou ce genre de choses. Et on va essayer d'avoir une notion de pérennité, de durabilité de la notoriété dans le temps. C'est-à-dire que si c'est une personne qui a été connue sur un événement ponctuel, on ne va pas considérer que c'est notable.
On évite les effets de mode, en fait. Sauf si on a parlé de cette mode à travers le temps, comme la tectonique, par exemple. Ok. D'accord. Ou une personne qui a participé, par exemple, à une télé-réalité ponctuelle. Elle est connue ponctuellement, une autorité ponctuelle, mais pas sur la durée. Voilà, ouais, qui a fait buzz, mais donc. Ouais. Alors, on pourrait le penser, mais comme j'ai en tête une personne qui est peut-être la même à laquelle tu penses. Non, je pensais comme ça parce que c'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit, en fait. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a eu un effet Loana, typiquement, et Loana a sa page web parce qu'en fait. Page Wikipédia. Sa page Wikipédia, pardon. Oui. Parce que du coup, il y a eu des suites derrière qui n'étaient pas liées juste à un épisode connu dont les plus anciens se souviennent. Merci. Pour moi. Très bien. Bah du coup oui, c'est bien, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle pas forcément toute cette galaxie. On parle souvent de Wikipédia et on oublie peut-être toutes les. Alors t'appelles ça des projets frères, c'est ça? Des projets. Oui, voilà. C'est des choses qui sont vraiment dans cet esprit des communs et qui agrandissent ce commun numérique qui est Wikipédia et qui est le plus connu. Vous travaillez avec des partenaires par rapport à tous ces projets-là d'écriture de commun numérique, Eh bien, c'est vrai qu'on est très centré sur Wikisource, la bibliothèque, mais du coup, quand on met en ligne un texte, on va vérifier par exemple que cette autrice est une page Wikipédia. Donc on va se retrouver sur Wikipédia à créer la page, et par exemple dans ce contexte-là, on va se retrouver en partenariat par exemple avec une autre association qui lutte contre le biais de genre qui s'appelle Les 100 Pages. S-A-N-S. Oui, voilà, celles qui n'ont pas de page, et avec un E majuscule à page à la fin. Pourquoi le E majuscule? C'est pour accentuer le féminin. Voilà, c'est pour reprendre l'écriture inclusive. Il y a quelques années où en fait il n'y avait pas le point médian ou autre, et c'est souvent d'accentuer le E. Voilà. Pour pouvoir le mettre en majuscule plutôt. Parce que page, sinon. On dit une page, mais il n'y a pas de forme féminine très prononcée. Je veux dire, il y a beaucoup de mots en français, même masculins, qui finissent par un E. Ok. C'est-à-dire qu'on va avoir, typiquement, dans l'écriture épicène, on va avoir des termes. Pour un terme épicène, c'est un terme qui a la même déclinaison pour le masculin et le féminin. Et dans ce cas-là, un peu comme auteur re, enfin, pas complètement, on va dire, mais non, c'est pas un bon titre, par exemple. Non, titre, c'est pas bon non plus. Qu'est-ce que je dis? Partenaire, c'est ça. Partenaire, ça va être un terme épicène, parce que je peux dire un ou une partenaire. L'idée, c'est de pouvoir éviter d'invisibiliser une femme en utilisant un terme qui va avoir une forme différente. Ça peut être à l'écrit, mais aussi à l'oral. Typiquement, c'est la raison pour laquelle on a choisi aussi autrice. C'est que à la radio, je vous aurais dit auteur, des auteurs. Vous n'auriez pas su si on parlait de femme ou d'homme. Le fait de parler d'auteur et d'autrice, on sait qu'on inclut vraiment les deux. Comme à la radio, on a des auditeurs et des auditrices. Exactement. Parfait. Alors, on a balayé les quatre grands projets vraiment effectifs actuels et en termes de futur, de projets à venir, vous avez, j'imagine, dans les cartons des choses. Ah oui, on a toujours des tonnes de projets. C'est vrai qu'on va essayer de prolonger ce qu'on fait déjà, mais on va aussi essayer, par exemple, enfin, on s'était rendu compte que donc toutes ces autrices qu'on recense ne correspondent pas toujours à des mouvements littéraires bien définis, par exemple. Donc on a appris qu'il y avait le nouveau roman, qu'il y avait le surréalisme, qu'il y avait la littérature romantique classique, et parfois elles étaient un peu à part. Donc l'idée, ça va être de voir s'il existe des mouvements de femmes, s'il existe des courants, par exemple surréalistes, qui auraient pu avoir été des courants de femmes à d'autres périodes, peut-être plus tard que les hommes. On va essayer d'étudier ce genre de choses et de produire une frise chronologique, on espère, cette année, pour essayer de mettre tout ça en image et donner là aussi un nouveau contenu pédagogique pour les professeurs, pour qu'ils puissent s'en emparer, en fait. On a un deuxième projet aussi qui s'appelle Chronotrice. Donc c'est un jeu, un timeline, si vous connaissez le mot anglais. Donc l'idée, c'est que vous avez plusieurs dates et il faut essayer de trouver laquelle est arrivée avant la précédente. Une ligne de temps, quoi. Oui, une ligne de temps, une frise chronologique. C'est encore mieux. Pardon, en français, c'est mieux. Donc vous avez une première carte avec une année et... À votre tour, vous tirez une carte avec une citation et vous devez essayer de deviner si cette carte citation donc est arrivée avant cette année ou après. Et plus vous avez de cartes, plus c'est difficile.
Et donc, de par ce biais-là, en fait, on voulait essayer de faire connaître des autrices et des citations et donner envie de les lire. Donc, l'idée, c'est que sur cette citation, vous aurez un QR code qui vous permettra, d'une part, d'aller lire le texte sur Wikisource, si la citation vous a plu, ou d'aller en savoir un peu plus sur la page Wikipédia de l'autrice. Donc, là, c'est presque finalisé. On espère pouvoir débuter ça en septembre. Parfait. Alors du coup, avec tout ce que vous avez décrit, ce que vous faites déjà, les projets que vous avez, au doigt mouillé, je pense que vous êtes à peu près 30 salariés, 40 bénévoles, c'est ça? Bien évidemment, bien évidemment, on recrute. En fait, on joue beaucoup sur l'effet levier, c'est-à-dire que on forme les gens, et puis ensuite on les forme un peu comme le défi Je la lis, par exemple, on va former les gens, et ensuite les personnes vont pouvoir gérer de manière autonome ou nous rejoindre si elles le souhaitent. Donc on fait ces ateliers dont Clara parlait, qui ont lieu une fois par mois, et qui est l'occasion de recruter. Alors ces ateliers ont lieu qu'à Paris ou... ou plutôt, excellent, où ont lieu ces ateliers? Effectivement. Alors, non, mais c'est une bonne transition parce qu'on avait beaucoup trop de choses à dire et on n'a pas pu parler de tout. Ces ateliers, ils ont eu beaucoup lieu à Paris. Ils ont commencé au local de Wikimedia France. Ensuite, ils ont eu lieu à la Cité Audacieuse, à Odéon. Ils ont eu lieu à la Gaîté Lyrique, à Châtelet, toujours à Paris. Hein. Ils ont eu lieu à Violette & Co. Ils ont lieu en ce moment à Violette & Co. Et de temps en temps... Violette & Co, on précise que c'est une librairie c'est féministe. C'est une librairie féministe, tout à fait. Et lesbienne, à côté de République. Tout à fait, oui. Et on a même fait des ateliers à l'April, au local de l'April. Tout à fait. En avril, pour le jeu de mots. Et du coup, on a fait quelques ateliers à l'extérieur. On a été faire des ateliers à Besançon. Donc, on essaye de pas être trop parigo-centré, mais les bénévoles étant essentiellement à Paris, c'est vrai qu'on est souvent là. Mais je trouve que c'est une mauvaise explication parce qu'en fait, systématiquement, nos ateliers sont en visio, donc ils sont volontairement décentralisés en fait, d'une certaine manière. Vous pouvez venir en présentiel à Paris. En visio, on essaye d'avoir un son de qualité puisqu'on a un micro. On partage nos écrans aussi. On a souvent des documents qu'on met à disposition en ligne. Vraiment, on a des gens qui viennent de loin, en fait, qui sont là. On a un habitué qui habite au Cameroun, par exemple. La dernière fois, donc il y a 10 jours, on a eu également quelqu'un du Bénin. Donc voilà, vraiment, peu importe d'où vous êtes, même si vous êtes sur téléphone portable, puisqu'on a des personnes qui se connectent sur téléphone, vous pouvez participer à nos ateliers. Peut-être pour compléter aussi, pour essayer de faciliter la participation et éviter les biais liés aux moyens. Alors, ça sera pour les personnes qui sont à Paris ou à l'endroit où on fait l'atelier. On met à disposition aussi des ordinateurs qui ont été réinstallés, donc des ordinateurs de seconde main, environnement oblige, réinstallés sous GNU Linux, sous le système d'exploitation, un système d'exploitation libre, évidemment, pour permettre de contribuer, même si on n'a pas d'ordinateur. Et donc, ça fait du bien à l'environnement. Oui, parce que les ordinateurs, c'est un coût d'entrée aussi, et le but, c'est vraiment que tout le monde puisse participer. Et parfois aussi, on arrive à faire ça dans des salles équipées d'ordinateurs pour en avoir un peu plus à disposition et pas avoir trop d'ordinateurs aussi à balader. Pour pas laisser les gens qui nous les personnes qui nous écoutent dans le doute, il n'y a pas de salariés à l'association. Hein. Non. Oui, voilà. Malheureusement, nous n'avons pas laissé planer le truc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout répondu à la question du nombre. C'est exact. En fait, on a une centaine de membres qui sont des personnes qui nous soutiennent, dans les membres actifs et actives. On est plutôt autour d'une dizaine. Non, au bureau, on est autour d'une dizaine, mais aux membres actifs, on est plus... on a une vingtaine, puisqu'il y a une dizaine de personnes qui viennent aux ateliers de manière régulière, quand même. Membres actifs, vous les comptez comment? Parce que vous m'avez précisé qu'en fait, l'adhésion était gratuite, ce qui peut paraître étonnant, en tout cas, ce qui n'est pas une pratique régulière. Donc, je pense que c'est une volonté d'être le plus ouvert possible, pour tout pas qu'il y ait une barrière financière. Oui, toujours. Mmh. Ouais. Tout à fait. On peut revenir d'ailleurs même au hackathon. On a eu des coachs qui ont essayé de nous convaincre que les profs avaient de l'argent et pouvaient mettre de l'argent. Et notre volonté depuis le début, ça a été vraiment de limiter le nombre de barrières. Donc effectivement, d'où l'adhésion gratuite. Donc les personnes, on va les compter en fonction du fait, comme disait Clara, qu'elles reviennent régulièrement. D'accord. Vous utilisez Bénévalibre Libre? Pas encore, mais c'est en réflexion. J'essaie de promouvoir. Alors, vu que tu as prononcé Bénévalib, dis ce que c'est, parce que sinon. Bien sûr. Bénévalib, c'est un logiciel libre qui facilite la valorisation du bénévolat dans les associations. C'est un logiciel libre et un service gratuit à l'usage pour les associations. Donc, c'est pour ça que je me permettais cette question. Surtout que vous aviez un autocollant sur votre dos d'ordinateur. C'est pour ça que je me suis permis la question. On est très sensible au sujet. Effectivement, c'est un sujet qu'on a abordé à notre AG le mois dernier, en juin.
Et on l'a pas encore utilisé, mais on va l'utiliser. C'est un peu le projet, voilà, ces prochains temps. Et en fait, par contre, là, on écrit des subventions en ce moment, notamment pour pouvoir proposer quelque chose de plus convivial pour les ateliers, avec un peu de nourriture, de boissons, de ce genre de choses. Et dans la subvention, on essaye de, enfin, un peu à la même manière que Bénévalibre, de calculer en fait le temps et le coût des bénévoles. Alors je relais une question de... Je rigole parce que Marie-Lille fait la réponse à la question, donc je vais faire les deux. Étienne qui pose une question, quel est le profil moyen s'il y en a des participantes et participants? Et Marie-Lille, pour rigoler, répond des retraités, sachant qu'elle-même est retraitée. Bon, visiblement, vu vos âges, vous n'êtes pas retraité. Donc quel est le profil moyen s'il y en a des participantes au deuxième texte? Je crois pas qu'on ait tant de retraités que ça, hein. Je crois qu'on en a, mais je pense pas que ce soit la majorité, effectivement. C'est vrai que normalement, l'associatif, il y a pas mal de personnes retraitées parce qu'elles ont plus de temps libre, on dit. Mais alors, donc finalement, par rapport à beaucoup de projets libristes où il y a beaucoup quand même de vieilles personnes, on va le dire, hein, pas forcément retraitées, et j'inclus Laurent et moi, les cinquantenaires, dans la liste. 50 ans, voilà. Voilà. Finalement, vous êtes beaucoup plus jeune que nous, ça c'est évident. En tout cas, beaucoup, quand même plus jeune que nous. Est-ce que finalement, donc c'est un profil qui est quand même jeune dans les participantes? Je dirais que dans les membres actifs, on est peut-être à une moyenne d'âge de 35, mais je n'ai pas fait de stats sur le sujet encore. Ah bah pour le libre, c'est jeune. Ouais, c'est... Après, je n'ai pas regardé sur la centaine d'adhérents. Ah, il complète sa question. Il pensait aussi en termes de rapport homme-femme. Majoritairement féminin. Majoritairement, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a quand même beaucoup de personnes qui soit se définissent comme hommes, soit ne se définissent pas comme femmes, qui viennent et sont intéressées en fait. Heureusement, quelque part, ce n'est pas quelque chose qui se cantonne ou qui se limite. On n'est pas intéressé par les autrices seulement quand on s'identifie comme femme. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est d'autant plus intéressant que on peut découvrir des textes extrêmement intéressants dont on n'a jamais entendu parler. Je me rappelle d'un des textes qu'on a transcrit il y a quelques années au moment où ce documentaire était passé sur Arte. C'était j'ai plus le nom, sur la commune de Paris en fait. C'était Mémoire d'une mort vivante qui était un livre qui avait été écrit il y a plus d'un siècle. Victorine Brochet. Tout à fait, et qui avait été transformé, on va dire, en BD, mais aussi en documentaire avec une distribution Yolande Moreau, Arthur H, enfin une belle distribution sur Arte, qui est extrêmement intéressante. Et c'est un texte qu'on a découvert, dont on a découvert l'original, comme ça, un peu par hasard finalement. Et on découvre des perles, c'est vraiment passionnant. Donc non, il n'y a pas besoin, en très résumé, il n'y a pas besoin d'être un homme à la retraite ou une femme à la retraite pour faire ça. On a une diversité qui est finalement assez intéressante. On peut parler de la diversité aussi des professions peut-être dans l'association, même s'il y a des tendances. Alors on a quelques personnes branchées informatique en général qui viennent plus du milieu du libre. On a aussi des universitaires et des enseignants du secondaire ou primaire. On a pas mal de documentalistes, bibliothécaires, libraires. Donc autour du métier du livre. Voilà, après c'est un peu plus large que ça. Le temps file, hein. On s'était dit qu'on aurait plein de temps et en fait non, c'est jamais vrai. Je vais vous poser les deux trois questions qui nous restaient à se poser et puis vous allez picorer et puis répondre à celles que vous avez envie de répondre. Il y avait la question des effets mesurés depuis le lancement du projet, ça peut être quand même un petit retour intéressant. Comment on fait pour s'impliquer dans l'association? Enfin, on n'y a pas vraiment répondu, donc vous pouvez aussi y répondre. Et puis, je laisse encore un temps, mais grosso modo, on n'a plus beaucoup de temps. Donc déjà sur ces deux points-là, si on peut éclairer un peu les choses. Depuis le lancement du projet, on a mis à disposition 200 textes de femmes en 6 ans. Et on a aussi fait des stats sur comment les nouveaux textes sur Wikisource s'étaient un peu féminisés. Grâce à nos actions et à celle de la communauté qui s'est aussi sensibilisée à tout ça depuis. Donc en 2018, quand on a commencé, on avait 14% de textes dans les nouveaux textes transcrits qui étaient des textes de femmes. Aujourd'hui, on est à 20%, donc 6 points de plus. Après, selon le genre littéraire, ça a plus ou moins augmenté. On a vu que ça avait surtout augmenté, notamment pour les romancières qui sont passées de 24 à 33%, donc 9 points de plus.
Ensuite, pour s'engager dans notre association, donc vous pouvez adhérer gratuitement sur le site. Le fait d'adhérer, même si c'est gratuit, ça vous permettra d'être tenu informé par la newsletter qui n'est pas du tout envahissante puisqu'elle est plutôt de l'ordre d'une fois par trimestre. Vous avez les réseaux sociaux pour suivre notre actualité également qui sont un peu plus dynamiques. Phil, tu veux compléter ? Ouais, ben en fait, vous pouvez aussi participer à l'un de nos projets sur Wikisource, le concours Je la lis ou la création des stats sur les autrices. On aura probablement un dataton, on aime bien ça aussi pour collecter les données au format libre, évidemment. Et en fait, vous pouvez aussi nous rejoindre en rejoignant l'association. Vous pouvez participer à distance. On a un canal Mattermost et on a des outils libres en ligne. Pour pouvoir participer, vous pouvez évidemment assister à nos assemblées générales une fois par an. La dernière a eu lieu dans les locaux de l'April. Et aussi, il ne faut pas avoir peur, je pense, de ne pas se sentir légitime, parce qu'en fait, on a tous et toutes commencé sans savoir comment faire. On a des ateliers, donc que ce soit pour Wikisource ou avec notre partenaire Les 100 Pages, il y a des ateliers de formation au début. On commence par une petite demi-heure pour expliquer un petit peu quels sont les codes pour pouvoir participer. Comme dirait notre chère présidente, vous êtes la bonne personne. Ah bah t'allais le dire, Fred. Je venais de le noter sur le papier pour pas oublier. Ouais. Bon, il vous reste chacun 2 minutes. Alors peut-être que vous pouvez nous partager le texte qui vous a le plus plu depuis que vous êtes au sein de l'association, et puis éventuellement conclure avec un point que vous voulez rappeler ou que vous n'avez pas eu le temps d'aborder et à partager. Moi, le texte qui m'a le plus plu à la relecture, c'est vraiment un vieux texte. Voilà, c'est plutôt moi sur des vieux textes. C'est un texte du 18e, 1787. Et en fait, c'est de la proto-SF féministe. Enfin, de la science-fiction, pardon, j'ai dit un sigle, mais SF pour science-fiction. Et en fait, c'est écrit par Marianne Robert. Ça s'appelle Les voyages de Milan Seton dans les 7 planètes. Donc c'est vraiment voilà un voyage intergalactique au 18e où on va rencontrer une utopie d'Amazon par exemple. On va rencontrer des femmes philosophes ou des femmes qui peuvent vivre en autonomie hors du mariage. À cette époque-là, c'était quand même un exploit. Oui. C'est plutôt incroyable de lire ça et ça se lit très bien. Merci Clara. Et bah en fait, moi j'hésite, mais j'ai déjà parlé de Victorine Brochier, donc le livre c'était Les damnés de la commune. Je vais du coup parler de Cécile Sauvage, que tu as cité tout à l'heure en introduction. C'est une éco-poétesse de la nature, on en a fait des transcriptions. Elle a été rééditée aux éditions de la Table Ronde avec découverte de nouveaux textes. Et du coup, en fait, c'est une version posthume de son journal qui a été poussée par son mari, qui a été grandement censurée pour éviter la partie... le suggestif, on va dire. Et c'est vraiment des œuvres qui sont extrêmement intéressantes. On en a eu un écho tout à l'heure. Oui, bah en fait, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de lire quand on a préparé l'émission. Donc du coup, je me suis penché sur les textes que vous aviez pointés. C'est toujours extrêmement intéressant. Merci pour ces textes soulignés. Et puis, pour conclure, je sais pas, éventuellement, vous aviez... venez nous aider à redonner aux femmes leur place dans les lettres. Vous êtes la bonne personne. Parfait. Fred, je te repasse la parole. Alors, la référence sur la conférence, sur l'expression « vous êtes la bonne personne », c'est Bouquinette, présidente de l'April, qui a fait 2 fois ou 3 fois cette présentation, qui est très inspirante, d'ailleurs, sur le sentiment de légitimité. Donc, vous cherchez sur Internet « vous êtes la bonne personne, Bouquinette », mais on mettra aussi les références. D'ailleurs, toutes les références qu'on a citées, enfin, ou les sites web qui ont été évoqués, etc., vous pouvez les retrouver sur le site libreavoue.org/215, car c'est la 215e émission et la dernière de la saison. Bah écoutez, merci donc à Phil, Clara et Laurent pour cette émission sur le deuxième texte. Et puis bonne fin de journée. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Fin merci de journée. Bien. Et donc nous venons d'entendre une rediffusion de la dernière émission de la saison 7 qui s'est terminée en juillet 2024, qui était consacrée au deuxième texte, retranscrire, mettre en valeur et partager des textes de femmes via les communs numériques. Et nous sommes de retour le 23 septembre 2024. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle chronique de Luc sur le thème « On connaît la musique ». Nous allons écouter « Confluence » par Claude Kicker. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Confluence par Cloud Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique La Pituite de Luc qui porte aujourd'hui sur le thème On connaît la musique. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours, je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après. C'est la rentrée de La Pituite, il s'est passé plein de trucs depuis le début des vacances, mais je vais vous resservir une portion de chronique sur les IA génératives, mais pas que. Attention, cette fois c'est totalement différent, je vais parler de musique. Les services de génération musicale capables de pondre de la musique tout à fait crédible au kilomètre chagrinent pas mal les ayants droit. Ils considèrent que c'est du vol. L'IA est alimentée par des tas de musiques au rythme varié et par des tas de mégawatts au rythme binaire à 50 Hz ou 60 Hz uniquement. C'est pour le premier tas que Suno et Udio sont attaqués. On les accuse d'avoir pompé de la musique sans la payer et d'en produire d'autres qui leur ressemblent beaucoup. Les bons artistes copient, les grands artistes volent, a dit un jour un peintre très célèbre. À moins que ce soit sa contrepartie humaine, séparée de l'artiste comme il se doit, puisque c'était une pourriture. Quelle surprise. Faire de la musique, comme toute activité créative, consiste à absorber puis à recracher à sa sauce, plus ou moins. Or, la machine fait exactement la même chose, pourquoi est-ce soudainement insupportable? C'est avant tout une question de pognon. Faire cracher au bassinet des startups qui siphonnent automatiquement des terrachés de musique, c'est plus compliqué que l'activité traditionnelle qui vise le public. Mais les majors reprochent également aux IA de générer des plagiats. C'est pourtant quelque chose que les humains font très bien aussi. Une légende du rock comme Led Zeppelin a fait une grosse partie de sa carrière là-dessus, mais quand on a des millions pour arranger le coup a posteriori, ce n'est plus du vol, c'est du business. La grosse différence aujourd'hui, c'est que les outils informatiques qui ont déjà fait exploser la quantité de musique produite et qui permet à n'importe qui de la diffuser directement, permettent aujourd'hui d'accélérer le processus. Les majors avaient un beau pipeline à contenu, mais aujourd'hui, il y a des fuites partout. Les IA sont réputées faire de la musique fade et sans surprise, et cela ne les rend pas moins problématiques pour l'industrie musicale. La qualité de la musique est un sujet très secondaire. Récemment, l'un des membres de Gorillaz a révélé que le thème d'un de leurs tubes de 2001 était une piste de démo de leur synthétiseur. Mieux, en 2013, le Jimmy Kennel Show a fait une démonstration spectaculaire en demandant à un de leurs journalistes de questionner le public d'un festival à propos de groupes fictifs dont ils avaient inventé le nom. Il a obtenu pas mal d'éloges argumentés sur ces groupes inexistants. L'important, c'est de faire illusion et de ne pas passer pour un blaireau qui ne connaît pas le dernier groupe à la mode. La notoriété est le nerf de la guerre. En 2019, un certain Jared Sretin pensait l'avoir compris mais a raté l'essentiel. Avec sa compagne, ils ont monté des sites web de faux labels, fausses maisons de disques, recruté des musiciens, acheté des amis sur Facebook, des followers, des places de leurs propres concerts et convaincu de grosses salles en Europe de les programmer pour une tournée. Tout a éclaté quand ils ont joué devant une salle vide. Il leur a fallu du talent pour convaincre tous ces professionnels de la musique et construire cette illusion de notoriété, mais n'ont au final été connus que grâce au fiasco de leur tournée en mode village Potemkin. Par définition, il n'y a pas de notoriété pour tout le monde. Les escrocs qui publient de longue date les œuvres d'autrui sur leur compte l'ont bien compris. Pourquoi courir le risque important de ne pas percer? Mieux vaut exploiter les notoriétés existantes. Le deepfake et l'IA sont des outils parfaits pour ça. Une fausse chanson de Drake et The Weeknd a fait trembler les majors l'année dernière. J'ai hâte de voir la collab entre Claude François et Weshden consistant à revisiter le tube « Je suis pour » de Michel Sardou. Mais malgré ça, certains parviennent à faire sans. En 2023, un journal suédois affirmait que depuis 2019, Spotify était utilisé par la pègre pour blanchir de l'argent. Des complices sont payés en argent sale pour fréquenter les streams bidons montés par la pègre, ce qui leur permet de récupérer ensuite de l'argent propre payé par Spotify. Un musicien américain vient d'être arrêté pour le même genre de combine, sauf que son public fictif était composé de ses propres bots, et ses multiples groupes alimentaient la plateforme avec de la musique générée. La grande révolution de la musique aujourd'hui est de donner tort à Picasso. Désormais, même les mauvais artistes peuvent voler. Nous allons terminer par quelques annonces rapides.
Dans les annonces rapides Cause Commune, la radio vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans les locaux de la radio à Paris, au 22 rue Bernard Dimet, dans le 18e arrondissement. Donc une soirée radio ouverte avec buffet participatif à la clé. La prochaine soirée rencontre aura lieu vendredi 4 octobre et je serai présent à cette rencontre. Du côté de l'April, nous proposons également une rencontre samedi 12 octobre à partir de 19h dans les locaux de l'April, dans le 14e arrondissement. Cette rencontre a lieu dans le cadre d'un week-end de réunion entre membres du conseil d'administration et de l'équipe salariée, occasion donc de rencontrer d'un coup plusieurs personnes de l'équipe de l'April, dont des personnes évidemment de l'émission Libre à vous. Vous retrouverez ces informations sur agendadulibre.org et sur april.org. Cette émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabella Vanni, ma collègue qui a préparé l'émission, Laurent et Laurette Costi, Clara et Phil de l'association Le Deuxième Texte, Luc aux manettes de la régie aujourd'hui, Élise. Et merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann et Olivier Grieco. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 1er octobre 2024 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les enjeux de la vie privée sur Internet et sur les appareils connectés avec Audric Guédan, auteur de la BD Datamania, et Louis Neuf de l'association Exodus Privacy. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le 1er octobre et d'ici là, portez-vous bien.